Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, 7e année, la construction du surhomme. Aujourd'hui, le grand homme. Bien bonsoir. Merci d'être là pour cette 7e année. Merci, votre accueil me fait vraiment très plaisir. Je suis très heureux de voir si nombreux, vraiment, ce soir, pour ce 129e cours de l'Université populaire de Caen. Nous allons consacrer cette année à la fin du 19e siècle, puisque je crois qu'il y a vraiment trois 19e siècles, enfin on peut chercher trois lignes de force dans le 19e siècle. Une première ligne de force qui aura été l'occasion pour moi de vous parler de ce que j'ai appelé l'eudémonisme social, c'est-à-dire que la question du bonheur n'était plus une question individuelle, mais ça devenait une question collective et communautaire. Il n'était plus question d'être heureux chacun dans son coin, mais de fabriquer des machines à rendre heureux. Et il me semblait que ce siècle était celui de Flora Tristan, puisqu'elle nous a raconté, dans ses voyages en Angleterre, dans ses promenades dans Londres, combien la misère était grande et combien le libéralisme provoquait la paupérisation, qui est une loi qui se vérifie en permanence, c'est-à-dire qu'elle construit de la richesse, bien sûr, mais qu'elle rend riche un certain nombre d'individus et pauvre beaucoup plus d'individus. Et que plus il y a de riches, plus ils sont riches et moins ils sont nombreux, ce qui signifie en même temps que plus il y a de pauvres et plus les pauvres sont pauvres. Cette logique du libéralisme, nous l'avions vu à l'œuvre avec Mandeville et Bentham. La fable des abeilles, Mandeville, souvenez-vous, on y disait que les vices privés faisaient les vertus publiques et qu'on n'avait pas à faire de la morale quand on faisait de la politique, puisque de fait, le libéralisme, en tant qu'il produisait des richesses, produisait le bonheur de la nation. J'ai tâché de montrer que le bonheur des riches ne faisait pas forcément le bonheur des populations. En allant voir du côté de Bentham, qui lui-même nous disait que le libéralisme était la vérité de cette époque, mais qui nous disait qu'en même temps, la vérité du libéralisme, c'était le panoptique, c'est-à-dire la prison, l'emprisonnement pour les victimes du système libéral. Le capitalisme libéral faisant la loi dans ce premier temps du XIXe siècle, j'avais montré qu'il y avait des alternatives, des propositions d'alternatives à ce siècle, et qu'il y avait à voir du côté de figures oubliées comme celle d'Owen ou de Stuart Mill. Stuart Mill, on connaît un peu, mais pas forcément le socialiste qu'il était. Très beau texte sur l'asservissement des femmes, par exemple, ou sur la liberté. C'était l'occasion de montrer avec Owen qu'on pouvait fabriquer un socialisme, qu'on pouvait fabriquer une usine et être en même temps un patron de gauche. Ça existe, ce n'est pas qu'un oxymore. Et il le montrait dans son village, à New Lanark, et ça a été l'occasion de voir que se penser quelque chose qui est devenu le socialisme, qui est devenu le communisme, qui est devenu l'utopie sous la plume de Marx, parce qu'il a voulu fustiger tout ça, c'était l'occasion de voir que le 19e siècle de Flora Tristan était aussi celui du socialisme, du communisme, de la pensée anarchiste. On avait eu l'occasion d'examiner les œuvres de Bakounine et sa pensée, et également les réponses libertaires de Godwin. J'avais expliqué en quoi Godwin n'était pas forcément aussi libertaire qu'on voulait bien le dire, mais qu'il était dans des logiques un peu millénaristes et chrétienne, et puis surtout Fourier, dont nous avions parlé comme d'une espèce de grand poète du socialisme. Ça, c'est le premier temps du XIXe siècle. C'est en fait l'occasion de dire que nous pouvons changer l'ordre du monde. Il y a cette fameuse phrase de Descartes qui nous dit qu'il faut se changer ou changer l'ordre du monde. Il y a un deuxième XIXe siècle qui est plutôt le siècle du se changer. Il coïncide avec celui de Flora Tristan. Mais il est plutôt le siècle de Baudelaire ou de Brummel, c'est-à-dire du dandysme. Ce sont des figures essentielles, Brummel et Baudelaire, et d'autres. On est en Normandie, on pourrait parler de Barbey d'Aurevilly et de quelques autres qui ont été des figures de ce que j'ai appelé les radicalités existentielles. C'était donc le cours de l'an dernier. Et ces radicalités existentielles, elles montraient qu'en même temps qu'il y avait un siècle des masses, celui dont nous venons de parler, il y a aussi le siècle des individus.
J'avais examiné trois cas de figure et qui nous permettaient de voir comment on pouvait être une radicalité existentielle et un dandy en philosophie, à partir des réflexions qui sont l'occasion de réfléchir sur la question de l'aura de Walter Benjamin, de l'aura et de la reproductibilité technique. Benjamin nous dit on est dans une ère où on peut reproduire indéfiniment un certain nombre d'œuvres, et vous avez l'œuvre originale, et en fait on peut la dupliquer, soit avec des gravures, mais mieux encore avec des photographies, puisque c'est aussi, comme vous le savez, le siècle de la photographie. Et cette duplication, elle supprime ce qui est l'aura de l'œuvre. L'aura, c'est ce qui fait sa spécificité. C'est ce qui fait que quand vous allez au musée et que vous avez vu 10 000 fois la Joconde, quelque chose a lieu, parce qu'il y a l'aura de l'œuvre, c'est-à-dire c'est la présence de l'œuvre, c'est votre présence devant la présence de l'œuvre. Et il me semblait que le dandy était celui qui revendiquait l'aura pour la subjectivité, dans un siècle où tout le monde se ressemblait, dans un siècle où chacun avait tendance à se ressembler parce que la massification invitait à penser de la même manière, à vivre de la même manière, à défendre exactement les mêmes idées. Baudelaire et les dandys disent non, on n'est pas tenu dans cette époque de reproductibilité technique de ressembler à son voisin et on peut revendiquer une subjectivité. J'avais donc examiné trois cas. Thoreau, le philosophe américain, pour montrer qu'il y a eu et qu'il y a une philosophie américaine extrêmement intéressante, c'est l'homme de Walden, comme vous le savez, et qui nous propose l'idéal de la nature. C'est un petit peu Diogène au XIXe siècle qui nous dit qu'il faut être dans l'autosubsistance, il faut construire sa cabane, il faut fabriquer son jardin, il faut vivre de manière autonome et refuser tout ce qui fait la modernité du XIXe siècle. J'avais examiné également la pensée de Schopenhauer, qui est une pensée qui combat le néant, qui aborde la question du néant de manière frontale et qui dit « mais que fait-on quand on sait qu'on va mourir, qu'on doit mourir, qu'on va disparaître, que notre temps est compté ? Comment vivre ? Que peut-on faire de sa propre existence ?» Schopenhauer, s'il écrit d'un côté le monde comme volonté et comme représentation, avec quelques techniques pour s'en sortir, écrit aussi un livre sur l'art du bonheur, et j'avais raconté le démonisme de Schopenhauer. Et puis Stirner, et on avait terminé l'année là-dessus, hein, avec la revendication de l'unicité, Stirner, qui est l'auteur unique d'un livre unique, hein, L'unique et sa propriété, dans lequel il nous dit, voilà, mon caprice fait la loi, ce qui n'exclut pas que, mon caprice faisant la loi, je puisse m'associer à d'autres individus pour fabriquer ce qu'il appelle une association d'égoïstes, qui pourrait être une machine de guerre pour répondre à la logique du temps, qui n'est pas la logique que défendait évidemment Max Stirner. On en était là, l'an dernier, avec ce deuxième temps, du XIXe siècle. Siècle des masses, de Flora Tristan, siècle des individus, de Brummel. Je vous propose cette année d'examiner le siècle des grands hommes et de placer la totalité de ces séances sous le signe du surhomme, la construction du surhomme. Donc, on verra que le mot est chargé, qu'il y a eu derrière ce terme un tas de choses assez effrayantes. La Première Guerre mondiale, on a parlé du surboche à l'époque, pour parler du surhomme, et puis les falsifications du national-socialisme. On aura l'occasion d'en dire deux mots, et on verra comment la sœur a fabriqué, avec la volonté de puissance, un livre qui, a priori, n'existe pas, une espèce de bréviaire national-socialiste, alors que, évidemment, la pensée de Nietzsche est aux antipodes de ce genre de pensée ou de récupération. Je vous proposerai, tout simplement, un mode d'emploi du surhomme. Et les femmes m'excuseront, mais les femmes sont des hommes comme les autres, on dira, parce que le surhumain dont je parlerai concernera évidemment les femmes. Il n'y a rien chez Nietzsche, quand il aborde la question du surhomme, qui laisserait croire que le surhomme est destiné au mâle et pas aux femelles, pour le dire dans ces termes-là. Le surhumain dont il parle concerne les individus. Même s'il écrit beaucoup de bêtises sur les femmes, on verra que dans sa vie privée, les relations qu'il a pu avoir avec Lou Salomé, avec Malvida von Meisenburg, avec quelques autres, Cosima Wagner, Louise Hott et quelques autres, eh bien, Nietzsche est quelqu'un qui considère que le surhumain, ça marche aussi pour les femmes. Donc je vous proposerai d'être des surhommes ou des surfemmes, c'est comme vous voudrez, et vous verrez, la chose est assez facile. Quand on débarrasse ce concept-là de toutes les sottises qui ont été accumulées sur lui, vous verrez que le surhumain, c'est relativement simple. Il se fait que si je vous ai dit qu'avec Flora Tristan, nous avions le siècle des masses, avec Baudelaire et Barbé de Rivoli, bien sûr, mais aussi et Brummel, nous avions le siècle des individus, nous aurons là aussi le siècle de Napoléon. À l'évidence, c'est une figure essentielle européenne, parce qu'elle ne concerne pas que la France. Elle a été évidemment européenne, sinon planétaire. Et c'est important pour le contexte et pour la réflexion que nous allons mener ensemble sur la question du grand homme, de la figure du grand homme.
Napoléon nous fait la démonstration que, peut-être de manière synthétique, qu'il n'y a pas à choisir se changer ou changer l'ordre du monde, mais il considère que se changer et changer l'ordre du monde, c'est la même chose, et qu'on se change en changeant l'ordre du monde et vice-versa, et qu'on peut se construire dans, par et pour l'histoire. Et vous verrez, et c'est notre cas à toutes et à tous, nous sommes dans l'histoire, nous nous fabriquons dans une histoire, et l'histoire nous fabrique en même temps que nous la fabriquons. C'est cette espèce de dialectique qu'il faudra mettre en perspective pour que nous puissions voir ce que sont les mécanismes de la construction du surhomme. Ce siècle est donc aussi celui des grands hommes, et c'est une thématique qui le traverse de part en part. Et il me semble que c'est Napoléon qui rend possible, c'est l'ombre de Napoléon qui rend possible cette thématique et la durée de cette thématique, parce qu'on a avec Hegel un début de réflexion, et on va consacrer cette séance à Hegel, qui fait court sur l'histoire, sur la philosophie de l'histoire, sur l'histoire de la philosophie également, sur l'histoire de la religion, et qui, dans son cours, développe une pensée de la philosophie de l'histoire qui ne manque pas d'intérêt et qui, évidemment, se fabrique sous l'œil de Napoléon, sous l'ombre ou dans l'ombre de Napoléon, qui est une figure essentielle pour la pensée de Hegel et pour la pensée hegelienne. Donc on verra dans La raison dans l'histoire, qui est un recueil de ses cours, recueil fait à partir des notes prises par ses élèves, et qu'il y a un certain nombre de réflexions, je vous dirai lesquelles, sur la ruse de la raison, sur le grand homme, qui sont des réflexions qui ont été évidemment lues par, et analysées, on ne sait pas comment et de quelle manière, mais on le sait, par Nietzsche, et il réagit à ces choses-là. Il réagira à Goethe aussi, on aura l'occasion de dire beaucoup de bien de Goethe. On parlera également donc de Carlyle, qui écrit Le héros, 1840, de Emerson, Les hommes représentatifs, 1850, et je dispose moi d'une édition française, d'une traduction française dont le sous-titre est « Les surhumains », pour vous dire, c'est pas exactement le titre américain, mais pour vous dire que quand on parle du grand homme chez Emerson, eh bien on va voir aussi du côté du surhomme nietzschéen, et ça n'est pas inintéressant. Nietzsche a été assez emersonien, pas vraiment transcendantaliste, c'est-à-dire strict disciple du transcendantalisme américain, mais disciple d'un Emerson qui écrit un certain nombre de choses qui lui font penser à Montaigne, puisque Montaigne est l'un des grands penseurs de Nietzsche et que c'est aussi l'un des grands penseurs d'Emerson. Burckhardt, bien sûr, et Burckhardt est un penseur important, pas bien connu en France, malheureusement, mais qui fait un cours sur la philosophie de l'histoire, lui aussi, qui parle de l'homme supérieur, c'est le concept qu'il utilise. Ce cours, il est donné en 1870 à Bâle, et comme par hasard, eh bien, il y a un certain Friedrich Nietzsche qui assiste à ce cours-là. Le cours est devenu Considération sur l'histoire universelle. J'aurai l'occasion de vous dire quel rôle ça a pu jouer dans l'économie de la pensée de Nietzsche et comment l'homme supérieur chez Burckhardt et sa référence à la Renaissance, Burckhardt est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la Renaissance italienne, comment cette référence-là a été constitutive des premières généalogies du grand homme chez Nietzsche qui donneront par la suite le fameux surhomme. Ça, ce sont les cours d'introduction de l'année, donc je vous ai dit deux ou trois séances, plutôt trois séances. On entrera dans le vif du sujet, puisqu'il y aura deux philosophes à proprement parler. Le premier, Jean-Marie Guyot, donc avec ce jeune philosophe, je dis jeune philosophe parce qu'il est mort à 33 ans, et qui est l'auteur d'un essai d'une morale sans obligation ni sanction. Alors on a beaucoup connu le titre et pas beaucoup connu l'intérieur de ce texte-là, le contenu, puis on n'a surtout pas lu l'œuvre complète. Moi, je vous proposerai une lecture de l'œuvre complète qui tâchera de montrer du moins que quand il parle de l'homme robuste et fécond, eh bien Jean-Marie Guyot dit des choses qui ne sont pas inintéressantes pour penser la question de la République et la question de la laïcité dans la République, dans la Troisième République française. Et on verra que cette Troisième République, elle a pu être antisémite, colonialiste, et qu'elle a pu être assez problématique au point de générer un vivier idéologique pour la pensée de Vichy. C'est assez inattendu, mais il y a effectivement des racines républicaines à Vichy, et on verra sur la question du colonialisme, puisqu'il y a eu un combat à l'époque entre Clémenceau et Jules Ferry, et que Jules Ferry a gagné, que Jules Ferry était un colonialiste, il a gagné de peu, sur Clémenceau, qui lui n'était pas un colonialiste, était un anticolonialiste, et il se fait que la République est devenue colonialiste, et vous verrez un certain nombre de choses assez effrayantes chez Jean-Marie Guyot, qui est un penseur qui a été lu par Nietzsche. L'essai d'une morale sans obligation ni sanction, il l'a lu, et puis il lit Religion de l'avenir. On aura l'occasion de dire comment les choses se sont passées entre Nietzsche et Guyot. Et puis Nietzsche, donc, bien sûr, je vous parlais du surhomme, il est raconté, précisé, développé, montré, ce grand homme, ce surhomme, dans Ainsi parlait Zarathoustra,
1883, mais ça s'étale sur plusieurs années, et on fera une lecture assez serrée d'Ainsi parlait Zarathoustra. Nous nous retrouvons donc, et ça c'était un cours d'introduction l'an dernier, dans le siècle de Darwin et de Feuerbach, et je vous disais qu'il fallait penser dans ces figures-là, ou dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'avec 1859, l'origine des espèces, et 71 aussi, l'affiliation de l'homme, Darwin nous dit, voilà, l'homme est un mammifère parmi d'autres mammifères. Mammifères, on dit, bon, l'homme descend du singe pour aller vite, mais d'un seul coup, on nous dit, effectivement, il n'est pas une créature de Dieu. Exit Dieu, donc la vérité n'est pas dans la Bible, et la science prend le pas, et d'un seul coup, on se découvre finalement darwinien, parce qu'on est bien obligé, et la première configuration, elle est celle-ci. On se retrouve dans un cas de figure qui est d'une totale immanence, d'une radicalité immanente totale. Il n'y a que cette terre, que ce cosmos, que ce monde-ci. Et puis l'autre figure tutélaire, je dirais, du XIXe siècle, c'est Feuerbach, sur lequel j'ai dit quelques mots, enfin, on a parlé de l'essence de la religion, de l'essence du christianisme, ouvrage magnifique qui déconstruit le christianisme pour montrer, non pas que Dieu n'existe pas, mais que Dieu existe comme une fiction. C'est-à-dire l'athéisme passe d'un moment d'imprécation, des insultes à Dieu, du genre les insultes de Sade, à un moment de déconstruction. Et on dit, votre Dieu existe bien sûr, mais c'est une illusion, et voilà comment cette illusion est construite. Donc, sous les coups de boutoir de Darwin et de Feuerbach, on se retrouve dans un siècle sans transcendance, sans Dieu, sans divinité, avec un ciel totalement vide, et il faut penser le réel. Qu'est-ce que le réel ? C'est la tâche du philosophe, nous dit Schopenhauer, dans un premier temps, de décrire le réel. Ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas aussi compliqué non plus. Vous verrez, Nietzsche nous dit très précisément, le réel, c'est de la volonté de puissance. Il faudra simplement dire ce qu'est la volonté de puissance. Mais on découvre effectivement que le réel, c'est le cosmos. Il n'y a que du cosmos, et nous sommes perdus dans ce cosmos. Le 19e est aussi donc le siècle du romantisme. En ce sens, souvenez-vous, j'ai eu l'occasion de montrer que la pensée de Schopenhauer était très imprégnée par le romantisme, et que ce personnage, ce petit garçon qui avait fait un tour d'Europe avec ses parents, avait découvert chez des galériens dans le sud de la France, et puis avec les glaciers, les deux moments de sa pensée, c'est-à-dire la pensée tragique, nous sommes comme des galériens, et le destin de l'homme, c'est ça, finalement, on est en train de ramer vers l'infini et le néant qui nous engloutira, et puis on a la possibilité de prendre de la hauteur avec tout ça, si on va sur les montagnes, sur les sommets, sur les glaciers. Et Schopenhauer nous dit, la contemplation est le remède à cette douleur, est le remède à cette souffrance. Nous souffrons, bien sûr, mais nous pouvons échapper à la souffrance par la contemplation esthétique. En quelques mots, c'est la pensée de Schopenhauer. Ce sera la première pensée de Nietzsche aussi, qui pensera qu'on pourra résoudre le problème du monde par l'esthétique. Et il me semble, c'est une proposition que je vous fais, on mettra l'année attachée d'en faire la démonstration, et il me semble que cette vision du réel comme d'un cosmos immense dans lequel l'homme est une toute petite chose nous conduit vers un concept intéressant qui est le concept de sublime, de sublimité. Vastitude, avait dit Saint-Évremond, notre philosophe normand, dont on a parlé quand on a abordé la question de libertin baroque. Il y a cette vastitude du cosmos et nous sommes perdus dans ce cosmos. Je dirais quelques mots pour finir l'introduction de cette année, c'est-à-dire dans la troisième séance, quelques mots de Caspar David Friedrich et de sa peinture. Quelques mots aussi de Van Gogh. J'étais il y a quelque temps aux États-Unis et j'ai vu dans une exposition Van Gogh à New York une peinture qui m'a montré que la préoccupation du cosmos n'était pas étrangère non plus à Van Gogh. Et souvenez-vous, vous les connaissez, les ciels de Van Gogh, qui sont autant d'occasions de montrer le cosmos en mouvement. Et ce sera pour moi l'occasion de vous dire que la vie sublime est une possibilité qu'on offre au XIXe siècle. On vous dit, voilà, vous avez des vies mutilées, diront les gens de l'école de Francfort, et pour ne pas vivre une vie mutilée, il faut pouvoir vivre une vie sublime. Et la vie sublime, elle est disponible pour tout un chacun si on en donne, si on lui donne à chacun, à tout un chacun, si on lui donne le mode d'emploi. Et je vous proposerai le mode d'emploi nietzschéen de la construction d'une vie sublime, c'est-à-dire le cosmos est tout. Nous ne sommes pas grand-chose dans ce cosmos, nous sommes même presque rien. Mais ce presque rien, il est doué de conscience. Nous savons
que nous ne sommes rien, ce qui fait tout et ce qui fait l'essentiel. Donc on aura l'occasion, à partir de ce sentiment du sublime, que vous expérimentez déjà, que vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter, personne n'est insensible au spectacle du sublime naturel, lever de soleil, coucher de soleil, les cataractes, les gouffres, les montagnes, les cimes, les torrents, la mer déchaînée ou ce genre de choses, on sait très bien comment on réagit devant ça. Le sublime nous donne l'impression que le spectacle est tellement grand et nous sommes tellement petits que nous expérimentons une espèce de sensation que tout le monde dans cette salle a expérimenté, et cette sensation-là, on peut la reconstruire à volonté, on peut la proposer à volonté. Le surhomme, nous dira Nietzsche, et c'est très simple, mais cette chose simple, il faudra la développer, il connaît le réel, il y consent à ce réel et il aime le réel. C'est-à-dire, connaître le réel, ça voudra dire le monde est volonté de représentation, et pardon, ça c'est Schopenhauer, mais le monde est volonté de puissance. Cette volonté de puissance, le fameux Philotsur Marthe, le vouloir vers l'impuissance, n'est pas le désir de mettre un pain dans la figure de son voisin, c'est pas ça la volonté de puissance, c'est la jouissance de l'augmentation de la force en soi. Donc ça ne passe pas par la destruction d'autrui, par l'attaque d'autrui, par l'agression d'autrui, ça n'a rien à voir avec tout ça, ça passe par la conscience que nous sommes porteurs de cette force et que c'est elle qui nous anime, que nous coïncidons avec cette force-là. Connaissance du réel, consentement au réel, ne pas vous rebeller contre ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut y consentir, et aimer, nous dira Nietzsche, cette situation-là, cette situation particulière. Amor fati, nous dit-il, c'est-à-dire aime ton destin. Quand tu sauras ce qu'est ton destin, alors tu pourras devenir ce que tu es, et en consentant à tout ça, avec une joie qui sera nouvelle pour toi, nous dit Nietzsche, tu expérimenteras la condition du surhomme. On prendra le temps pour repréciser ça et dire comment ça fonctionne, mais voilà ce qu'est le surhomme et l'occasion pour Nietzsche de nous proposer une vie sublime. Donc vous voyez en quelques mots que le surhumain n'est pas ce qu'on dit, on dira que le surhumain c'est l'humain moins la transcendance et moins l'idéal ascétique. Moins la transcendance, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'aller chercher le sens de ce monde ailleurs que dans ce monde, le sens de ce monde-ci, il est ici, c'est avoir le sens de la terre, nous dit Nietzsche. Et puis, on n'a pas besoin non plus de l'idéal ascétique. Et l'idéal ascétique, c'est un concept qui a été magnifié par Nietzsche, parce qu'on aura l'occasion de voir, il emprunte des concepts à Goethe, à Schiller, à Novalis, à quelques autres, mais il en fait quelque chose de tout à fait particulier qui lui permet par la suite d'attacher définitivement son nom à ça. L'idéal ascétique, c'est la haine de soi, que le christianisme a si bien magnifié, c'est la détestation de soi, c'est l'oubli de soi. Et si on met de côté la transcendance et l'idéal ascétique, alors l'humain que vous connaissez, finalement, est une définition possible du surhumain. Revenons un petit peu à Napoléon et à son ombre, puisque je vous disais que le 19e siècle s'expérimentait au quotidien dans l'ombre de ce personnage-là. Hegel, Carlyle, Emerson et Burckhardt sont des contemporains de Napoléon, ce qui n'est pas rien, ça produit des effets, on ne peut pas ne pas ignorer Napoléon et ce qu'il fait dans ce siècle, ce qu'il fait de ce siècle, et comment il fait ce siècle aussi. Hegel est donc à Iéna en 1806, quand il a 36 ans, il est en train de terminer la phénoménologie de l'esprit, quand Napoléon arrive, et je vous dirai tout à l'heure, en allant chercher des extraits de lettres et qui sont des extraits assez célèbres, comment il a lui-même vécu cette chose-là. Et Napoléon, pour Hegel, c'est un moment décisif, nous dit-il et pense-t-il, vers l'état universel homogène. L'état universel homogène, c'est une citation, qui pour lui annonce la fin de l'histoire. C'est-à-dire il y a une dialectique, il y a un mouvement de l'histoire, on va vers quelque chose, il y a un sens à l'histoire, et ce sens de l'histoire, eh bien, il nous conduit vers la fin de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est l'abolition de l'histoire. Un jour, nous dit Hegel, ce sera la fin de l'histoire, parce qu'on aura réalisé le fameux état universel et homogène. Et cet état-là, eh bien, Hegel nous dit, Napoléon est en train de le réaliser. C'est une figure essentielle dans la réalisation de cet état universel et homogène qui va réaliser un jour la fin de l'histoire. C'est de l'histoire qui réalise la fin de l'histoire. Quand Napoléon meurt en 1821, eh bien, il fait paraître Hegel, les principes de la philosophie du droit, et on a eu l'occasion, pour ceux qui étaient là l'an dernier, de réfléchir sur les principes de la philosophie du droit à partir de Stirner, puisque j'avais présenté Stirner comme une machine de guerre anti-hegelienne, et L'unique et sa propriété, comme un livre spécifiquement écrit contre les principes de la philosophie du droit, même si le bazar qui règne dans ce livre ne permet pas d'imaginer que Stirner aurait point par point réfuté l'œuvre de Hegel. Mais si on va chercher soi-même un ordre particulier à partir de l'ordre de la table
problèmes des matières, des principes de la philosophie du droit, on voit de fait que Stirner était un opposant théorique, philosophique à Hegel et à sa philosophie de l'histoire également. De sorte qu'il était bien le seul, Hegel, à croire que l'histoire aurait une fin. Et d'aucuns récemment, Fukuyama, pour ne pas le nommer, ont fait savoir que, avec la fin du mur de Berlin, avec la chute du mur de Berlin et la fin de l'Empire soviétique, eh bien, nous étions dans le moment hegelien, dans le moment annoncé et énoncé par Hegel, du fameux état universel et homogène, et que la fin de l'histoire était d'actualité. Elle était effective. On a vu que le 11 septembre a donné tort à Fukuyama, l'histoire continue. Napoléon est un personnage qui construit sa légende. Et ça, c'est quelque chose d'assez visible. Ça marche comme ça si vous vous penchez sur toutes les biographies de gens qui ont réussi. Ils ont voulu construire de leur vivant leur légende et ils ont écrit leur légende en se disant il y aura toujours bien assez d'individus à consentir à la légende que je propose pour que cette légende elle devienne une vérité. Et souvent, le travail se constitue comme ça, et le travail de contre-histoire, au sens large du terme, eh bien, il consiste à voir comment se constituent les légendes. On avait vu la fameuse légende de Jésus, on a vu d'autres légendes, Montaigne par exemple, Montaigne sceptique, qui sont autant de légendes, ou Schopenhauer, philosophe pessimiste, légendes, etc., ou Épicure, philosophe grossier, pourceau d'Épicure, etc., légende philosophique encore, et Napoléon crée sa légende de son vivant. Et il commence en créant des journaux. Et les journaux sont les grands lieux pour fabriquer des légendes. Et il fait des journaux, il crée des journaux dans lesquels il lit du bien de lui, jamais mieux servi que par soi-même, et au moment des campagnes d'Italie, eh bien, il a des journalistes à sa botte, je crains un peu le pléonasme aussi, là, et qui racontent que Napoléon est grand, qu'il est fantastique, qu'il est merveilleux, qu'il est formidable. Il crée donc une partie de la légende napoléonienne de son vivant. À quoi on ajoute un deuxième moment à cette légende, qui est le fameux exil romantique. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas faire non plus un cours sur Napoléon, mais l'exil qui fait que, à Longwood, il est tout seul sur son caillou, sur son rocher, totalement exilé. Ce grand homme qui a fait de l'Europe ce qu'il voulait en son temps, il est devenu un personnage oublié, négligé, emprisonné, et totalement isolé du monde. Et les romantiques aiment bien ça, quand même dans l'époque de Vigny, de Musset, d'Hugo et du grand romantisme échevelé. Et donc il y a ce moment qui fait que dans l'exil romantique, eh bien, on a quelque chose qui s'apparente à la crucifixion et à la mort qui assure l'éternité. On a toujours un schéma plus ou moins christique pour fabriquer les légendes depuis 20 siècles. On ajoute à ça le Mémorial de Las Cases, qui est un ouvrage qui paraît en 1823 et qui, semble-t-il, est le succès de librairie du XIXe siècle. Et Las Cases est le personnage qui raconte en détail l'exil de Napoléon et qui, presque sous la dictée de l'empereur, fait savoir qui il était, ce qu'il était et qui, évidemment, réécrit l'histoire telle que Napoléon la propose. Et cet ouvrage va traverser le siècle et va nourrir le XIXe siècle, et pas seulement en France. Il y a donc une construction esthétique, et on le sait, une construction esthétique de la légende, c'est-à-dire qu'il y a encore des traces. Par exemple, en architecture, en 1836, on inaugure l'Arc de Triomphe. En 1840, des grandes commémorations, et on ramène les cendres de l'empereur aux Invalides. Et puis la littérature, on ne va pas non plus faire un cours sur le traitement littéraire de Napoléon, mais voyez quand même qu'avec Senancour, avec Byron, Leopardi, Lamartine, Hugo, Vigny, Nerval, Balzac, Stendhal c'est partout, hein, Musset, Chateaubriand, les fameuses Mémoires d'outre-tombe, Tolstoï, La guerre et la paix, Dostoïevski, tous ces individus-là parlent de Napoléon à un moment ou à un autre. Balzac constitue un certain type de légende, Stendhal évidemment y contribue, Chateaubriand également, Hugo va d'un poème à l'autre, c'est comme souvent chez Hugo, vous avez une légende et on oublie que Hugo a été une chose, puis son contraire, puis encore autre chose, mais il y a des constructions légendaires qui sont structurées par la littérature à ce moment-là, et personne n'y échappe. Même chose avec la musique, excusez du peu, Beethoven, Schumann, Tchaïkovski, Berlioz, et plus tard ça continuera, je songe à Schoenberg, par exemple, ou à Prokofiev au XXe siècle, qui sont des individus qui travaillent aussi sur cette question Napoléon, c'est-à-dire vénération, répulsion, détestation, fascination, on aime mais on s'en veut d'en vouloir, on s'en veut d'aimer, donc on déteste, et puis on se déteste de détester, on finit par, etc. Enfin, tout ce jeu complexe de la jalousie qui fonctionne à l'endroit du grand homme qui était Napoléon.
On ajoute à ça la peinture, et là aussi avec les grands, c'est-à-dire Géricault, Gros, David, Goya ou Horace Vernet, qui sont des individus qui fixent la légende, qui la montrent, qui la racontent, qui la peignent, et les grands moments de l'histoire napoléonienne sont fixés et figés dans la peinture. Chacun connaît le sacre de David, et on sait que tout ça fait partie de l'image de l'histoire de France. Il y a une espèce d'imagerie, et on a Napoléon Bonaparte, Arcole, on a les pestiférés de Jaffa, on a la conquête d'Égypte, on a, etc. Il y a toute une série d'images qui sont proposées au bon peuple, et on fabrique donc une légende. Il y a même le cinéma, j'ai même trouvé qu'en 1897, puisque je voulais rester dans le 19e siècle, il y a un film des Frères Lumière qui s'appelle « Entrevue de Napoléon et du Pape ». Donc pour vous dire que vraiment peinture, littérature, architecture, musique, etc., tout le monde s'y est mis pour célébrer l'empereur ou pour détester l'empereur, mais il y a parfois des détestations qui sont des formes de célébration. Donc on avait au départ un Napoléon qui était le dictateur qui bâillonne les libertés, et ça c'était assez visible, il suffit de lire une biographie qui ne soit pas une hagiographie, et on découvrira tout ça, cette façon de museler la presse, de bâillonner les journalistes, quand les journalistes font vraiment leur travail. C'était le tyran qui empêchait l'opposition, et de fait, il ne supportait pas l'opposition, comme tous les tyrans et les dictateurs. Il était un chef de guerre qui décimait ses troupes au combat, il suffit de chercher les chiffres, ils ne sont pas faciles à trouver, mais les chiffres des victimes qui ont été faites par Napoléon sur les champs de bataille et qui sont considérables, on a affaire vraiment à des meurtres en série. Et Napoléon disait que tout ça n'était pas bien grave parce qu'en une soirée de coucherie parisienne, on repeuplait les champs de bataille et qu'il fallait compter avec ce genre de choses. C'était tout de même le conquérant qui embrase l'Europe pendant 20 ans, une vingtaine d'années. Pendant une vingtaine d'années, il est sur tous les champs de bataille. Enfin, il anime tous les champs de bataille et il met l'Europe à feu et à sang. C'était aussi, et d'aucuns s'en souviennent, le restaurateur de l'esclavage, puisque la Révolution française avait aboli l'esclavage. Et lui le restaure. Et d'un seul coup, avec la fabrication de cette légende, ce personnage noir, on a parlé d'une légende noire de Napoléon, eh bien, cette légende noire, elle devient une espèce de légende dorée. Et ce Napoléon-là devient le créateur d'un empire florissant. C'était fantastique, c'était merveilleux, c'était formidable. Il y a un style empire, il y a eu des constructions, il y a eu des bâtisses, il y a des traces, etc. Et de fait, quand on regarde ces traces à partir d'une époque qui est perdue, confuse et imprécise, ça peut donner un sentiment de nostalgie qui explique parfois qu'on puisse vénérer quelqu'un parce qu'il est mort et qu'on n'aurait pas vénéré du tout de son vivant. Il y a eu un effet de Gaulle, ou il y a toujours un effet de Gaulle qui fonctionne sur le même principe. Ça devient aussi le poète de l'histoire. Un individu qui écrit l'histoire, qui la raconte, le héros de son peuple. Ça, Balzac a beaucoup travaillé à la construction de ce type de mythe. On avait le personnage qui est un individu sanguinaire, et puis de fait, après, on découvre que le bon peuple l'aimait bien. Et on verra avec Hegel que l'un des signes distinctifs du grand homme, c'est qu'il nomme ce que le peuple ne peut pas nommer, c'est qu'il voit ce que le peuple ne voit pas, et c'est qu'il montre à l'évidence quelque chose qui devient évident au peuple alors que le peuple ne l'avait pas saisi ou n'avait pas vu. Une espèce de fonction de révélateur au sens photographique du terme que le grand homme endosse et que Napoléon aurait endossé, voir ce que dit Balzac sur ce sujet-là. Ça devient également l'individu sublime, l'artiste des champs de bataille ou le visionnaire de l'Europe. Et de fait, je vous redis, quand on regarde un passé dans un présent qui est déconfit, qui est malheureux, qui est illisible, eh bien, on a tendance à trouver que le personnage d'avant, finalement, c'était pas si mal que ça, et on oublie le sang, la sueur et les larmes ou la négativité du personnage pour en faire un héros positif. On parle alors du soldat aux intuitions fameuses et on commence à analyser les batailles et on regarde comment les choses se passaient et il y a toute la légende du personnage qui dort peu, qui mange peu, qui est toute une batterie toute tendue vers l'action, qui est un intuitif total, qui saisit immédiatement ce qu'il faut faire et qui va plus vite que l'instinct. Et il y a un certain nombre d'anecdotes qui courent sur le personnage. Ça devient également le héros français ou le héros européen. Et on va voir un petit peu l'espèce d'ambiguïté qu'il y a chez Hegel à faire l'éloge d'un envahisseur, tout de même. Hegel fait quand même l'éloge de quelqu'un qui vient envahir son pays, demander de
pensez par analogie, mais enfin, vous imaginez ce que ça peut donner en 40. On appelle ça un collaborateur en 40. On verra les textes de tout à l'heure, dans quelques secondes, les textes de Hegel qui sont assez effrayants et impressionnants. C'est également le héros des nations en lutte contre les monarchies et la tyrannie des monarchies, du moins présentons ça de cette manière-là, ou la coalition des monarchies, ou le jeu des monarchies, où on nous dit on avait là un personnage intéressant, d'autant que, d'un seul coup, on l'inscrit dans l'histoire de France, et très précisément dans l'histoire de la Révolution française. C'est donc un personnage qui, on sait comment tout ça se termine, on sait comment Thermidor met fin à la terreur, en mettant fin à Robespierre, et comment par la suite tout devient un petit peu confus, et comment Bonaparte va prendre les choses en main, puis Bonaparte deviendra l'empereur, comme vous le savez, et un certain nombre disent Napoléon est un personnage, enfin Bonaparte d'abord, est un continuateur de la Révolution qu'il stabilise et qu'il achève. C'est-à-dire qu'il y avait eu des confiscations de biens au clergé, qui avaient été vendus à la bourgeoisie, qui s'était trouvé bien aise de récupérer pour pas cher ce qui avait été les biens du clergé. Et on se dit, est-ce que ces biens-là sont définitivement acquis? Est-ce que la Révolution française, avec ce qu'elle a proposé, ça va être sûr, certain, définitif? Est-ce qu'on va revenir là-dessus ou pas? Et Napoléon est celui qui clôt la Révolution, me semble-t-il, en disant que la Révolution a été bourgeoise, point à la ligne, et qu'on est passé d'une féodalité à l'autre, c'est pas ce qu'il dit lui, mais c'est ce que je dis moi, on est passé d'une féodalité à l'autre, c'est-à-dire la féodalité de l'aristocratie, de la noblesse, à la féodalité de la bourgeoisie. Et Napoléon est donc le grand homme des féodalités bourgeoises qui va rendre possible le siècle que nous savons, c'est-à-dire le nôtre, et, enfin le 19e siècle et le 20e, et le temps dans lequel nous vivons encore. Nous sommes dans des logiques vaguement bonapartistes et souvent impériales. Quel rapport Napoléon a-t-il entretenu aux philosophes, ou quel rapport les philosophes ont-ils entretenu à Napoléon? Parce qu'on a beaucoup parlé des peintres, des musiciens, des littérateurs, et en fait, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Il n'y a pas vraiment une bibliographie extrêmement précise qui recenserait les relations que Napoléon a pu entretenir avec la philosophie ou avec les philosophes. J'ai retrouvé une lettre de Napoléon, qui date du 14 avril 1807, il écrit à son frère « Vous savez que je n'aime pas les philosophes, puisque je les ai détruits partout. » La chose est claire. Il y a eu un rapport particulier avec des individus qu'on a appelés les idéologues. J'ai un peu hésité, mais j'aurais pas dû hésiter, j'aurais dû consacrer quelques cours aux idéologues, qui sont des individus dont on parle peu, et qui sont Cabanis, Volney, des studs de Tracy, Gara ou Pinel, et qui sont des thermidoriens, c'est-à-dire des individus qui mettent fin à la terreur, ou qui arrête le processus terroriste de la Révolution française, et qui considère, dans la grande tradition des Lumières du XVIIIe siècle, et d'ailleurs quelques idéologues fameux étaient des amis du cercle de Madame Helvétius, Condorcet faisait trait d'union également avec la Révolution française, enfin le XVIIIe siècle et puis ce moment du XIXe siècle, et les thermidoriens pensaient qu'il fallait éclairer la population, et qu'on ne pouvait pas éviter la dictature, la tyrannie, le sang, la terreur, si on n'éduquait pas le peuple, et c'était leur proposition. De fait, quand vous êtes un idéologue, et à l'époque le terme n'est pas péjoratif, mais quand vous faites partie de ce groupe qu'on appelle les idéologues, eh bien vous rencontrez Napoléon en face de vous, et Napoléon a tout fait pour faire du mot idéologue, qui signifiait donc, qui caractérisait donc une école philosophique, une sensibilité philosophique, un concept déplorable. L'idéologue, c'est le personnage qui est peu sûr, pas très objectif, complètement subjectif, complètement travaillé justement par une pensée préalable qui l'empêche de penser librement ou véritablement. Et il se fait que le disqualificatif obtenu par Napoléon a duré, même si par la suite, on a Marx en a fait une analyse, ensuite on s'est réclamé de l'idéologie, puis il y avait l'idéologie allemande de Marx, enfin tout un travail qui pourrait se mener autour du concept d'idéologie, mais il part d'une école philosophique considérable, au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il faudrait considérer, qu'on a peu considéré, et qui est un moment important dans la pensée française, mais un moment oublié. Lui, Napoléon, se pique de philosophie, se pique de débattre, et on voit, quand il est encore Bonaparte, et pas encore Napoléon, que pendant la campagne d'Égypte, il est capable d'avoir des discussions avec des archéologues, avec des scientifiques, avec des botanistes, avec des linguistes, avec des scientifiques, et des discussions de niveau correct. Il se réclame du matérialisme,
en philosophie, en disant qu'il n'y a que de la matière, que les atomes ont été placés dans des circonstances particulières de température et de densité qui ont rendu possible le monde, il n'y a donc pas de Dieu. Et il est d'un pragmatisme total pour ce qui est de la philosophie de l'histoire ou de la philosophie tout court. Il n'aime pas non plus les idéologues parce que, de fait, ce sont idéologiquement, disons-le comme ça, mais humainement également, des opposants qu'il estime systématiques. Et souvent, les gens de pouvoir considèrent que si on n'est pas à leur botte, on est un opposant systématique et on détruit facilement l'opposition parce qu'on n'a pas envie du débat, on n'a pas envie de la discussion, on n'a pas envie de la confrontation. Et de fait, ça n'était pas le style de Napoléon que de s'installer sur des terrains de confrontation intellectuelle. Quel est le rapport que Napoléon entretient avec Hegel ou que Hegel entretient avec Napoléon ? Je vous avais parlé tout à l'heure d'une lettre. Je voudrais vous en lire quelques lignes. C'est une lettre écrite le lundi 13 octobre 1806 à Nithamer. Je disais tout à l'heure que c'était le moment où il terminait, il avait 36 ans, Hegel, et où terminait la phénoménologie de l'esprit. Il avait besoin de nourrir toute sa petite famille, donc il écrivait vite et de manière un peu confuse. Il le dit dans quelques autres lettres. C'est pourquoi je vous invite à lire la correspondance de, les correspondances des philosophes au sens large du terme, mais celle de Hegel également. Il nous dit, c'est un texte célèbre, hein, « J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. » Et puis ailleurs, tous souhaitent maintenant bonne chance à l'armée française, ce qui ne peut manquer lorsque l'on considère la formidable différence qui sépare ses chefs et le dernier de ses soldats de leurs ennemis. Donc, un vrai travail de collaborateur, personnage qui nous dit, voilà, je suis très content de voir une armée étrangère s'installer chez moi. Il y a des philosophes qui défendent Napoléon, hein, Hegel, Gerlein, je vous disais, Emerson et Nietzsche, et puis d'autres qui ne le défendent pas, qui sont les libéraux au sens noble du terme, c'est-à-dire à l'époque où ce terme-là ne signifiait pas ce qu'il signifiait aujourd'hui, mais je songe à Benjamin Constant, à Madame de Staël, ou aussi à Mène de Biran, pour d'autres raisons, à Joseph de Maistre, à d'autres raisons, puisque c'est un contre-révolutionnaire, et qu'il est dans des logiques ultra-chrétiennes, Fichte, qui lui est un nationaliste allemand, le discours à la nation allemande, ce genre de choses, et Marx, bien sûr, qui écrit sur le 18 Brumaire, comme vous le savez, et qui sont des individus qui sont critiques à l'endroit de Napoléon. Hegel est le personnage qui sera le plus lyrique à l'endroit de Napoléon. Il nous dit, trois fois, dans les principes de la philosophie du droit, dans la raison dans l'histoire et dans la phénoménologie de l'esprit, qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Ce qui est une idée connue, célèbre, ce qui est une phrase, une idée déjà trouvée chez Goethe. Et il y a, et on aura l'occasion d'en parler, si vous voulez lire les conversations de Goethe avec Eckermann, c'est un très beau livre. Nietzsche pensait que c'était le plus beau livre du 19e siècle allemand, et je pense que c'est un très grand ouvrage. Et Napoléon et Goethe se sont rencontrés, et il a eu l'occasion, Napoléon, de dire un certain nombre de choses à Goethe, et vice-versa. Et Goethe a rencontré également Hegel, et ils ont parlé, les uns les autres, de Napoléon, bien sûr. Cette idée qu'il n'y aurait donc pas de grand homme pour son valet de chambre, elle suppose que le valet de chambre, il ne voit que l'homme privé dans le personnage auquel il retire les bottes le soir avant de s'endormir, et il ne voit pas qu'il porte plus que lui. C'est-à-dire, il ne voit pas le grand homme. Il voit l'homme, mais il ne voit pas l'aspect grand du grand homme. Il ne voit pas la grandeur du grand homme. D'où l'intérêt de voir ce que Hegel appelle le grand homme, et ce qui nous permettra de réfléchir à la question de la ruse de la raison. Moi, de vous dire un peu ce qu'est la ruse de la raison, qui est une idée hegelienne importante. Hegel nous dit, et c'est une chose qu'on retrouvera presque chez tous les gens qui vont réfléchir sur cette question du grand homme, on va retrouver ça chez Emerson, chez Carlyle, il y a quelques autres, que le grand homme n'est pas le sujet de l'histoire, mais qu'il est son objet. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'histoire, le grand homme, mais il est fait par elle. C'est là d'ailleurs qu'est l'aspect ruse. Hein. Il est requis par le réel pour lui donner sa forme. Le grand homme donne l'impression de vouloir, alors qu'en fait, il est voulu. Le grand homme donne l'impression qu'il va créer l'histoire, alors que l'histoire le crée. Le grand homme a l'impression que c'est lui qui décide, alors qu'il est décidé par l'histoire qui le fait être ce qu'il est. Il n'a pas le choix, nous dit Hegel, il y a un esprit du temps, un Zeitgeist, un esprit du temps, et c'est cet esprit du temps qui guide, qui commande, qui dirige. Il n'a pas le choix, le grand homme. Il ne peut pas ne pas faire ce qu'il fait. Il est l'individu qui incarne le fameux esprit du monde. Et vous verrez que dans quelques secondes, je vous dirai comment il faut décoder
Hegel, avec le vocabulaire qu'il utilise, et qui est un vocabulaire qui enfume. Et vous verrez comment, avec toutes ces définitions de l'esprit universel, quand on nous dit que le grand homme est le personnage qui manifeste la vérité, la réalité, la consistance, l'être, la forme, la force ou la densité de l'esprit du monde, on peut avoir du mal à saisir ce que Hegel veut dire quand il avance une idée pareille. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que l'esprit du monde? Qu'est-ce que c'est que la consistance de l'esprit universel? Quelle est la densité de l'esprit universel? Qu'est-ce qu'il nous cache, ce personnage qui conceptualise? La fameuse maladie des philosophes, la fameuse conceptualisation, c'est-à-dire l'art de rendre plus compliqué ce qui était a priori simple. Hegel nous dit, conceptualisons la philosophie de l'histoire, et de fait, le grand homme est le personnage qui sera l'occasion de l'esprit universel et de sa manifestation. Le grand homme veut ce que veut cet esprit. Il exprime l'esprit du temps, il le découvre et l'accomplit, c'est-à-dire qu'il est nécessaire. Il y a un processus dialectique qui fait que l'histoire a besoin pour être de se révéler dans un individu qui le révèle. En ce sens, petite parenthèse, les masses ne font pas l'histoire. Vous savez que c'est l'a priori méthodologique de Marx, qui considère que les masses font l'histoire, et Hegel nous dit non, les masses ne font pas l'histoire. Les masses sont faites par l'histoire, et l'histoire, elle fait tout aussi bien le grand homme qu'elle fait les masses. Donc il n'y a pas, pour le peuple, de possibilité de décider ce qu'il devrait pouvoir faire. Hegel pense que le peuple fait ce que l'histoire le contraint à faire. Et le grand homme, même chose, il est tout aussi bien pris dans cette logique-là. Le grand homme donc formule ce que le peuple est incapable de concevoir. Le peuple ne sait pas ce qu'est la vérité universelle ou l'esprit universel, et le grand homme n'est pas tenu de le savoir non plus. Toujours est-il que par lui, cet esprit-là va trouver forme, consistance, vérité, réalité. C'est ce qui fait l'espèce d'excitation de Hegel qui nous dit « j'ai vu l'esprit du monde assis sur un cheval », c'est-à-dire que cette idée pure, je l'ai vue incarnée, et elle a la forme de cet individu qui s'appelle Napoléon. Et Napoléon est donc l'instrument inconscient d'un dessein qui le dépasse, on pourrait même dire d'un destin aussi qui le dépasse. Il croit commander, bien sûr, Napoléon a l'impression quand il veut qu'il est à l'origine de son vouloir, c'est-à-dire qu'il veut son vouloir, et Hegel nous dit pas du tout. Le grand homme ne veut pas, il est voulu. Et quand on a eu l'occasion de voir comment ça fonctionne, la question du libre arbitre, par exemple, chez Schopenhauer, de fait, on conçoit bien qu'il n'y a pas de vérité du libre arbitre ou de vérité du vouloir, mais qu'il y a simplement des conditions, un vouloir qui nous pousse, et le grand homme, il est voulu. Il nous dit, Hegel, que le grand homme réalise l'idée, alors majuscule obligatoire à chaque fois, hein, qu'il réalise l'idée, la raison, le concept, l'esprit, l'universel, le vrai, le monde, le logos, la pensée, l'histoire. De sorte que quand on se fait impressionner par ces idoles majuscules, on peut se demander ce qu'il faut comprendre, ce que l'on doit croire. Eh bien, c'est tout simple à décoder. Il vous suffit, à chaque fois que vous voyez apparaître ce mot-là, de mettre Dieu à la place. C'est comme Spinoza, quand vous avez compris que quand il dit la nature, c'est Dieu, quand il dit Dieu, c'est la nature, le fameux Deus sive natura, en latin dans le texte, eh bien vous avez la clé qui vous permet d'entrer dans l'éthique de Spinoza. Là, c'est la même chose. Quand vous avez compris que chez Hegel, il y avait des noms divers et multiples à Dieu, et que ces noms-là, c'était le logos, la vérité, la raison, le concept, etc., alors tout devient extrêmement clair. C'est-à-dire que vous avez affaire tout bêtement à ce qu'on appelle une théodicée, en matière d'histoire religieuse. Et Augustin, saint Augustin le croyait déjà, Bossuet le croyait aussi, Joseph de Maistre, dont j'ai dit deux mots tout à l'heure, et tous les chrétiens sont censés le croire, il y a une volonté de Dieu, il y a un vouloir de Dieu, ça s'appelle la providence, et l'histoire n'est jamais que la manifestation de cette providence. Alors vous direz, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, c'est-à-dire tout cet enfumage conceptuel hegelien pour arriver à cette idée qui est aussi simple que ça, à savoir l'histoire et la réalisation de la providence qui est la manifestation du dessein de Dieu. Pas besoin d'écrire la phénoménologie de l'esprit pour ça. Ça se dit dans les églises et dans les temples tous les dimanches. Et Nietzsche le dit, Nietzsche le voit, Nietzsche le raconte, il fait savoir que lui, il n'est pas dupe de tout ça, et que de fait, s'il s'agit de recycler la vieille théorie chrétienne avec du vocabulaire, le vocabulaire de l'idéalisme allemand, alors ce n'est pas vraiment la peine. Il y a cette autre idée, qui est aussi une phrase célèbre dans le corpus hegelien, il nous dit Hegel, ce qui est réel est rationnel, et ce qui est rationnel est réel. Ce qui est réel est rationnel, ce qui est rationnel est réel.
On avait eu l'occasion de penser un petit peu cette phrase-là quand j'avais parlé un peu de Feuerbach, de Bruno Bauer, des jeunes hégéliens, en vous disant qu'il y avait des hégéliens de droite, des hégéliens de gauche, et que les lectures de droite ou de gauche de la pensée hégélienne se faisaient à partir de cette phrase. Or, c'est une tautologie, c'est-à-dire que cette phrase ne dit rien puisque le réel est le rationnel est le réel, certes, mais nous dit un petit peu plus loin Hegel, le réel est ce qui est conforme à l'idée. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est l'autre nom de Dieu. Donc si vous dites que le réel, c'est le rationnel, qui est l'idée, qui est le concept, qui est l'autre nom de Dieu, eh bien, vous ne faites que dire une chose qui est évidente quand vous êtes croyant, c'est-à-dire que le réel est un pur produit de Dieu, du vouloir de Dieu ou de la volonté de Dieu. Ce qui donne dans le vocabulaire hegelien, citation, « l'histoire est le développement nécessaire des moments de la raison, de sa conscience de soi et de sa liberté, elle est explication et réalisation de l'esprit universel ». Les philosophes de profession adorent ça. C'est incompréhensible, c'est complexe. On se dit « ça doit donc être profond, puisque c'est obscur », et on se contente de répéter tout ça, on appelle ça conceptualiser. Et si vous dites « le roi est nu », car quand il nous dit ça, Hegel, il nous dit « l'histoire est la réalisation du dessein de Dieu ». Ça va, c'est une idée simple que tout le monde peut comprendre. Simplement, quand vous la dites dans ce vocabulaire-là, de fait, « le roi est nu » est un peu ridicule. Donc, le grand homme, c'est le personnage qui n'est jamais que l'instrument de Dieu, c'est l'instrument du vouloir de Dieu, et Napoléon, quand il réalise ce qu'il réalise, eh bien, il ne fait jamais que vouloir ce que veut la Providence, qui est l'autre nom de l'esprit universel, et l'affaire est réglée, et on a une tautologie qui propose la vieille théodicée chrétienne. Il y a ruse de la raison dans cette aventure, et la ruse de la raison, évidemment, elle est dans le fait que le grand homme croit qu'il agit alors qu'il est agi. Le grand homme croit qu'il veut alors qu'il est voulu. Le grand homme a l'impression qu'il fabrique l'histoire alors que l'histoire le fabrique. C'est dans cette espèce d'erreur, dans cette espèce d'incapacité à saisir ce qu'est la réalité de la perspective, qu'il y a une ruse de la raison. La raison est le ruse. Elle vous laisse croire que vous voulez alors que vous êtes voulu. Elle laisse croire au grand homme qu'il est un grand homme alors qu'il n'est jamais qu'un objet dans les mains de la providence divine. La logique du grand homme, donc, on voit bien à quoi elle ressemble. On pourrait développer sur ce sujet-là, on y trouverait des choses un peu inquiétantes. Vous verrez qu'il faudra se battre pour montrer que Nietzsche n'était pas un philosophe susceptible d'être récupéré par le nazisme. On ne peut pas en dire autant de Hegel. On a eu l'occasion de voir avec les principes de la philosophie du droit. Et quand Hegel nous dira qu'il est un conducteur d'âme, le grand homme, qu'il est un créateur d'État, plus grave, qu'il est le révélateur du droit qu'il exprime, et ça, c'est assez grave, parce que Hegel nous dit « le grand homme, quand il agit, quand il fait, il a le droit pour lui, puisqu'il est le droit. Il est le droit et il est par-delà le bien et le mal, il est insoucieux des valeurs communes, et en ce sens, quand il agit, il fait ce qui doit être fait, par-delà le bien et le mal. » Vous voyez comment, quelques temps plus tard, cette pensée-là peut être facilement récupérée pour montrer que le grand homme, sous-entendu Adolf Hitler, en tant qu'il est le doigt de la providence manifeste ou incarnée, dit le droit, et en tant qu'il dit le droit, il dit la vérité, le manifeste, et en ce sens, le droit est de son côté. Carl Schmitt, grand théoricien du droit national-socialiste, ne fera jamais qu'exprimer ce genre de choses. Il ajoutera que le grand homme est passionné, que rien ne se fait de grand dans le monde sans passion, parce que justement, il est animé par une force qui le conduit là où elle veut. Quelques mots de conclusion rapidement, puisque c'est le premier temps que nous examinons, c'est-à-dire Hegel. La fois prochaine, on verra Emerson, Carlyle et Burckhardt. Quelques mots de conclusion, puisqu'il s'agit de penser à nouveau au surhomme, du moins de l'envisager, puisqu'il est question du surhomme nietzschéen dans cette aventure. Vous l'avez compris, vous l'avez vu, le grand homme hegelien, il renvoie de la transcendance. On va chercher un au-delà du monde pour comprendre ce monde. La vérité du monde est au-delà du monde, puisque la vérité de la terre, elle est dans le ciel. La vérité du réel, elle est dans le concept, qui est l'autre nom de Dieu. Donc, on est dans une lecture qui est encore ancienne, qui est encore chrétienne, qui est toujours dans la logique du christianisme. Et on verra que Carlyle et Emerson sont dans les mêmes logiques, alors que Nietzsche lui verra que ça ne fonctionne pas comme ça, que ça ne doit pas fonctionner comme ça. Il nous dit précisément dans sa considération intempestive consacrée à l'histoire, et qui n'est pas dupe de ce qu'il appelle les chinoiseries compliquées de Hegel, et il parlera un petit peu plus loin de la théodicée chrétienne déguisée, qui est la philosophie de l'histoire de Hegel. Donc on avance doucement vers Nietzsche, nous allons vers Nietzsche, qui sera le seul et qui sera le premier à proposer une théorie du grand homme, qui sera une théorie totalement et radicalement immanente. Voilà, je vous remercie. Biblio, donc.
sur Napoléon. Vous avez évidemment une bibliographie considérable sur Napoléon. Jean Tullard est le spécialiste quasiment incontesté de Napoléon, donc j'ai choisi sa biographie aux éditions Fayard. Il est également l'auteur d'un petit livre qui s'appelle « Le mythe de Napoléon », dans lequel il raconte comment, un peu vite parfois, parce que peut-être que c'est le format du livre qui est un format universitaire, qui suppose qu'on aille vite et qu'on donne les références, peut-être que c'est l'explication, mais il montre combien Napoléon a imbibé, imprégné toute la littérature, la musique, la pensée, la littérature, la philosophie, etc., et comment il marque d'une empreinte indélébile son siècle, évidemment, et quels effets il produit jusque dans le moindre petit roman oublié et méconnu de cette époque-là. Le grand Stendhal, enfin bon, Stendhal, c'est partout. Hein, si vous avez lu Stendhal, des plus connus, Rouge et le Noir, Chartreuse de Parme, à Amiens, ou des choses moins connues, vous aurez des références et des renvois à Napoléon qui structurent l'ensemble du projet stendhalien. Lascaz, évidemment, le mémorial de Sainte-Hélène, il y a deux volumes en Pléiade. L'appareil critique n'est pas très critique, et il y a aujourd'hui des nouvelles éditions qui sont très critiques et qui, justement, reprennent le texte en montrant comment il est constitutif d'une légende. Et puis, quand je vous parlais du poète de l'histoire, de l'artiste des champs de bataille ou ce genre de choses, eh bien, il faut aller voir le livre de Elifor, qui est un grand Nietzschéen de gauche, Elifor, qui est l'auteur d'une formidable histoire de l'art. Il écrit un très beau texte avec ce Napoléon qui a servi pour Abel Gance. Ça, c'est donc pour Napoléon. Pour les idéologues et l'idéologie, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler rapidement. Il y a un livre qui a fait longtemps autorité, de Picavet, qui est une réédition. François Picavet avait donc écrit « Les idéologues » avec un sous-titre qui était « Essai sur l'histoire des idées et des théories scientifiques, philosophiques, religieuses, etc. » en France depuis 1789. Un ouvrage très bien fait, ne serait-ce que en partie parce que justement il raconte comment, à partir du salon de Madame Helvétius, à partir de Condorcet, à partir de ces penseurs-là qu'on a un peu laissés de côté, qui sont les premiers idéologues à leur manière, on a constitué une vraie pensée digne de ce nom. Et cette pensée digne de ce nom, elle a été analysée dans un beau livre de Laurent Clausade qui s'appelle « L'idéologie ou la révolution de l'analyse ». Et puis le cours de Hegel. Alors bon, vous savez que Hegel donnait des cours et que les élèves prenaient des notes et qu'on a fait un certain nombre de publications après sa mort, l'esthétique par exemple, ou d'autres cours qui ont été publiés sur la foi des notes de Hegel. Et vous avez avec La raison dans l'histoire un texte qui est le compte-rendu objectif, personne n'a remis ces choses-là en cause, mais du cours que Hegel donnait sur la philosophie de l'histoire. Il fait des cours sur l'histoire de la philosophie de l'histoire, sur les religions, et tous ces textes-là ont été publiés sous forme de cours, mais ils sont en relation de coïncidence étroite avec les choses que Hegel a explicitement publiées et signées de son nom. C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseurs sont, à la Comédie de Caen, Centre dramatique national de Normandie, Joël Migne. Prise de son, Benoît Cousin, de France Bleu Basse-Normandie. Mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation, Véronique Villas.